Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. Nous terminons les ultimes préparatifs. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous avertir quand même qu'il risque bien de pleuvoir durant la rencontre, ce qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on le sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Ça joue à gauche. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Va-t-il en profiter? Pas de faute. La Lazio qui possède la meilleure attaque de ce championnat. Et c'est mérité. Pour trouver la faille dans la défense. Il joue dans l'espace. La Lazio qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Dans la profondeur, dans le dos de la défense. Immobilier. Oh, c'est ce qu'il fallait faire, dommage. On le sent en pleine confiance, il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. Il n'est pas en jeu. Il peut choisir de centrer. Il va frapper. Il continue. Il y a peut-être... Il tire. Oh, quelle parade! Oh, le gardien est là, la classe. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. C'est sorti, ce sera un dégagement en 6 mètres. Derrière. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Le gardien loin devant. Le jeu repart vers la droite. Il relance côté droit. Non, ça manque d'application. Correa, qui est de nouveau titulaire aujourd'hui, c'est pas vraiment une surprise. Il est décisif à quasiment tous les matchs en ce moment. Alors le manager serait fou de ne pas le faire jouer. Il allonge. Bonne interception, il y avait danger. Et c'est intéressant ces mouvements des attaquants. Oui, j'ai l'impression qu'ils jouent dans un système avec un faux numéro 9. C'est assez typique de ce genre de tactique. Et vous pouvez développer un peu l'arène pour ceux qui nous regardent. Disons que c'est un plan de jeu qui rend les attaques plus imprévisibles. Certains joueurs décrochent, permutent ou créent des fausses pistes pour étirer la défense et créer des espaces. Interception sur la touche, bonne anticipation. Le Genoa qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur, ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. C'est vrai, le... Immobilier. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Le bon dégagement. C'était un geste décisif, ce tacle. Il y aura donc touche. Il déclenche son centre. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Oh,
le contre, l'arme fatale. Coup de sifflet, hors jeu. Le long dégagement du gardien. C'est bien donné. C'est joué long, attention. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il enchaîne les dribbles. Il glisse le ballon en profondeur. Il a tenté, bien joué. Oh, le bon ballon. Il remporte son duel. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Quel timing dans l'interception. Pandev, sanctionné par l'arbitre. Correa. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Arnold. Il cherche un coéquipier. Miguel Veloso qui cherche la profondeur. Le Genoa qui peut avancer. Allez, qui est le premier sur ce ballon? Bonne lecture de la trajectoire. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le bon dribble. Il cherche la profondeur. Ce sera trop court. Et il tombe sous la pression. Il est passé. Le Genoa peut enfin respirer après ce coup de chaud. Un long ballon vers l'avant. C'est bien fait ça. Il tente de la jouer dans l'espace. Correa. Oh, bon centre devant le but. Djukanovic qui dégage. La Lazio qui récupère ce ballon. La frappe. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Avec Correa. Il est bien placé. Faut tirer là. Oh oui, c'est dedans. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Tout est magnifique dans ce but. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause.
coup d'envoi de cette seconde période. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Mais que ça va partir vite. Il joue en profondeur. Oh, c'est bien joué. Bien joué, il va pouvoir repartir. Il choisit la profondeur. C'est dégagé, loin devant. Et c'est directement récupéré. Sturaro qui a un peu d'espace. Le Genoa qui essaye de construire. La Lazio qui va tenter d'enchaîner après sa courte victoire lors de la dernière journée. Le bon dégagement. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Miguel Veloso. Sturaro. C'est joué long, attention. Ce ballon bien dosé. Un peu d'oxygène pour sa défense. Lucas. Pour trouver la faille dans la défense. Le drapeau ne s'est pas levé. C'est centré. Les ragueurs. Voilà une bonne occasion de contre. Pandev. La Lazio qui mène toujours 1-0. Il joue dans l'espace. Savic. Il décide d'allonger le jeu. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Il mène, mais toujours pas d'occasion dans cette deuxième période. La passe dans la profondeur. La passe était parfaite, c'est du gâchis. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Ça, c'est une interception parfaite. Le gardien loin devant. Ah, pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Derrière. Ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Il mène donc 1-0. Pour trouver la faille dans la défense. Dans la surface. Et le corner pour le Genoa. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Ce contre peut très bien aller au bout. Arnold. Qui a un peu d'espace. Quelle passe. Il glisse le ballon en profondeur. Allez, c'est dangereux. Quel but. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Il était bien placé. C'est la passe qui fait toute la différence. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Oui, il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. C'est reparti sur ce score de 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans l'espace, il est à distance. Oh, l'occasion! C'est une bonne occasion, dommage. La clé, c'est qu'ils ne baissent pas la tête. S'ils continuent à se créer des occasions, ils peuvent encore revenir dans ce match.
c'est jouer long. Attention. Avec Storaro, il s'impose physiquement dans ce duel. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Bandev. Il y a peut-être un coup à jouer. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. La longue ouverture sur l'aile. Il centre dans là. Et la tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment, en laissant autant d'espace sur les ailes. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça m'a fait du bien. Derrière. Arnold. Savic. La passe est précise. Il relance côté droit. Un ballon intéressant. Par-dessus les défenseurs. Oui, il peut frapper là. Mais le cadre se dérobe largement. Il joue dans l'espace. Bien servi. C'est joué long, attention. Un centre bien placé. Des deux points. Lucas. Il était quand même pas mal ce tacle. Bandev. Va-t-il en profiter? Attention, coup franc dangereux à suivre. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. Il le tente. Oh, la main ferme. Quelle parade exceptionnelle. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. C'est joué long. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Ça y est, c'est fait. C'est dans la poche, ils obtiennent cette victoire. Tout a fonctionné parfaitement pour eux aujourd'hui. C'est mérité. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Baby, how I still see you in my sleep, and I kiss you.